Bye Toulouse. J'étais trop interpellée par cet immense arbuste. C'est le Japon, c'est le premier pays qui a eu la marque Aven. On arrive à la station. Donc c'est ça, le fameux bain. C'est 20 minutes avec des bulles, après ça des jets. Notre visage. Ok. Tout est trempé. Ça me brûle tellement l'eau dans les yeux que là en ce moment je peux pas ouvrir. Je vais fermer, je vais quand même pas ouvert. Je vous fais patienter un petit peu ici. Parfait. J'adore votre accent. Ah, oui. C'est un local, je sais trop, trop bien. Si, ah, j'aime bien le mettre aussi. Ça nous fait du bien. C'est très doux comme un compresse, c'est du non vissé. Okay. Et ça permet que l'eau ne s'évapore pas à l'air libre pour pas qu'elle vous déshydrate. Ah, ok. Parce que l'eau thermale, soit on la brunise et puis il faut sécher derrière, okay. Soit on laisse un tissu un petit peu humide et on peut la garder au contact de votre peau. Ok, c'était une de mes questions. J'avais déjà entendu dire qu'il fallait pas, c'est ça, la faire laisser s'évaporer sur la peau. Donc c'est vrai. Ah okay. Oui, sinon okay. Ça déshydrate. Hein. C'est sûr, oui. Donc si je devais quand même vous conseiller quelque chose par rapport à votre type de peau, je verrais beaucoup plus le baume body fondant, qui est quand même généreux en texture et réparateur, parce que le lait est très bien pour l'été, mais il est un peu léger. Okay. À mon goût pour votre type de peau. Okay. Et je trouve que voilà, comme vous dites très justement, avec une compresse ou des Kleenex qui absorbe pas trop thermal non plus, c'est réalisable. C'est ça. Pa-pa-la-pa-la-pa-la. C'est pour ça que je trouve que vous avez un joli petit visage. Vous n'avez pas de bien sûr, il n'y a pas de rides, mais même au niveau des mimiques d'expression, elles sont à peine dessinées. Hein. Merci. Oh, écoutez, ben, vous devez en prendre bien soin, parce qu'entre en ayant une peau quand même sensible et fine. And after maybe 2 or 3 weeks, the skin of course was totally red. And then they observed and they saw that he was drinking and so. During all the 19th century, about 30-35% of eczema and dermatitis atopic, atopic dermatitis. For the baby. A child under 2 years old, it's a specific treatment because. So the first year he was really it's dermatitic atopic. Okay. And then after the third treatment. Oh my God. But also sometimes on psoriasis or eczema lesion when they're very really thick or really. So for the face and the hand. And the two. Sometimes I send message to my crush for me. La fontaine de jouvence. It doesn't taste anything. Yeah. Mm-hmm. Yeah. This one's crazy. Mm-hmm. So here you don't see because the picture is too. Ok gang, fait que c'est l'heure d'aller souper. Je me suis lavé les cheveux puis je les ai attachés vu que j'ai peu le temps de les peigner. J'ai remis les mêmes pants qu'hier pour faire très très simple. J'emmène une petite veste au cas où que c'est froid. C'est le gros bordel dans ma chambre, mais nous allons gérer ce soir ou demain matin car je suis très fatiguée en ce moment. J'ai l'impression d'être plus jet lag aujourd'hui que quand on est arrivé lundi. Fait que j'ai hâte de voir ce soir comment ça va le souper et tout. Bonne école. Bon, tout le monde est rendu genre 1h30, il faut vraiment que je me couche, je faisais un peu de lecture en écoutant en background mon vlog qui va se poster demain automatiquement que j'avais prévu pour mon départ. Mais ouais, là je commence à être fatiguée là, puis c'est parce que dans la journée, mettons, on est trop occupé pour que je puisse être sur mon siège. Ça me fait tout le temps ça en voyage, mais encore plus en voyage de presse. Fait que le soir, c'est juste là que je peux comme rattraper. Mettons que je devrais, je sais pas moi, monter un reel, checker les commentaires, checker les DM, checker le courriel, checker Trello, quoi d'autre? Ben là, checker le vlog, regarder les messages sur Facebook. Je suis sûre que j'en oublie, ok? En tout cas, j'ai fait tout ça, mais là, mes yeux brûlent, je suis tannée. Fait que je vais aller me coucher. En tout cas, j'ai eu un bon souper, j'étais bien contente de manger ma petite omelette. Ça m'a comme fait du bien, honnêtement, je vais l'avouer. Parce qu'on mange comme très bien en France, là, comme tout le monde dit, genre les aliments, tu sais, la qualité des aliments,
Tout est gastronomique, là, donc c'est super bon puis très différent de ce que je mange habituellement. Mais de mon expérience, en général, les fois que je suis venue, les protéines végétales, c'est pas quelque chose d'encore très populaire, il me semble. Donc, ouais, j'ai mangé une omelette, puis ça m'a fait du bien. Ça m'a vraiment fait du bien. Fait que j'étais contente. Mais ce qui m'a rendue encore plus contente aujourd'hui, c'est que l'esthéticienne pensait que j'avais 25 ans. Elle donnait 25 ans à ma peau. What a flex pour moi qui travaille dans le domaine de la beauté. Fait que, ouais, j'ai peur à demain. On va continuer avec le massage du corps, le reste de la sensicure. On fait aussi des ateliers. Mais ça va être un peu plus relax demain. C'est pour ça que je me permets de me coucher tard. C'est notre dernière journée déjà. C'est fou, hein? Mais cette vue de ma chambre, j'en reviendrai jamais, hein? C'est tellement beau! Bien manger, là on s'en va faire les ateliers de maquillage et soins de la peau. Qu'est-ce qu'ils conseillent en fait aux patients, j'allais dire les clients, mais les patients qui viennent ici pour continuer la routine dans la maison. Now we have also women after breast cancer and ladies, the ladybug and Leo, the leopard. This is the super cream. We're gonna dress up. As Lady the Ladybug, as Leo the Leopard. If your skin is flaring up, if it's itchy and wakes you up, you look like a ladybug with pretty white spots. For performing a massage, which can be an enjoyable way to spend time with your child, therefore making them more receptive to applying an emollient cream. Giving your child a massage in the evening is a good way to prevent itching at night and will help them go to sleep. We spray the influenza on one arm, just one on one arm. We put the moisturizer in the hand, and firstly, we spread it between both hands like that. And we apply on the skin, the arm, with the Avent spring water, with a large circular movement like that. Maybe you don't need easier. My God, il fait tellement beau! L'équipe de la France était comme « Oh, on va manger en dedans parce qu'il fait froid! » Moi, je suis comme « Les Canadiens, on peut tolérer un peu plus de froid qu'ici, je pense. » Non, sérieux, je suis trop bien. Je m'étais pas promenée dehors encore. Puis là, c'est tellement beau comme lieu. C'est enchanteur, sérieusement. Après-midi, apparemment qu'on va faire du vélo. Ça, j'ai vraiment hâte juste de me promener comme dans la région. Parce que, tchiki, pour vrai, c'est tellement... C'est vraiment comme s'ils ont juste mis le truc à Venla, la station thermale, mais le reste c'est comme untouched, genre on dirait c'est... Je sais pas, c'est tellement le lieu de rêve, c'est vraiment au creux, comme des montagnes comme vous voyez. Je sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas, il y a de la montagne partout, on est comme plus bas. C'est vraiment beau, puis bref, j'étais allée chercher ma batterie. Et là je cherche le reste du groupe, ils m'ont dit qu'ils allaient par là. Mais je pense qu'on va manger à l'intérieur, c'est ça finalement, mais pas au restaurant, ailleurs. Ah, c'est là qu'on va. Les petites plantes que j'ai chez nous, mais qui poussent pas aussi bien qu'ici. Palmiers, c'est full of like viande rouge, en principe. Pour les pieds, des choses qui se font. Ok, donc là je me dépêche, j'enfile mon maillot de bain parce qu'on va faire la suite de nos traitements sans sécurité. Donc essentiellement, ça va être, je pense, le bain. Peut-être pas ça, le spray comme on a eu hier dans le visage, mais sur tout le corps. Quoi d'autre? Le massage de corps, mais je sais pas s'il y a d'autres étapes. J'essaierai de filmer autant que possible, juste avec mes dents, puis faut que je me sauve! J'ai eu un beau massage.
C'était tout en douceur, mais on a toutes dormi... toutes, mon Dieu, c'est ça, je suis plus capable de parler. Les quatre, on est tombés pas mal endormis vers la fin. On a toutes eu super envie de pipi aussi à la fin, c'est très drôle. J'étais comme, peut-être les petits mouvements, les petits massages, c'est genre drainage lymphatique style. Mais là, bon, je viens de me changer rapido parce qu'on va faire un petit tour de vélo. Je vois que le temps est un petit peu gris, mais d'après moi, on va être bon. Je sais pas si on va aller jusqu'au village d'Avène, mais j'aimerais vraiment ça visiter. En tout cas, juste aller dehors, je vais être contente. Je suis en train de voir quel vélo électrique pourrait me convenir, car je suis la plus petite du groupe et j'en ai jamais fait, donc... Je ne sais pas. Ah, mais oui, il va plus... Ah non, il est au plus bas, là? Ouais. Ouais. Je suis en train d'avoir une crampe d'orteil. Est-ce que tu fais ça? C'est pas mal des brins. Mutation à l'alcool avant fermentation. Prends le jus de raisin frais, on met dans de l'alcool. L'alcool de sable. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait deux minutes qu'on est rentré et on nous saoule déjà. Qu'est-ce qui se passe? Merci beaucoup. Ah oui, c'est bon. C'est sucré, donc j'aime ça. C'est vraiment bon. C'est pas évident de filmer sans shaker. La vue est trop belle, je veux vous montrer! Plein de plantes que j'aime. Ben, du temps, il y en avait là-bas, mais c'est pas ça. Honnêtement, je pense que j'ai fait des... Mais j'en ai d'autres aussi qui sont peut-être morts, je sais pas. Ça a été au petit lac. On va pas continuer par là parce que j'ai un état. Mais la route est trop belle. Il y a justement les petites fleurs complémentaires partout. Très beau. J'ai tellement chaud, mais en même temps, le vent est froid, mon air arrête pas de couler. C'est une drôle de météo. Je sais pas comment gérer ma couette, mais j'entends les filles, il y en a deux qui sont restées, ben pas restées, mais sont allées prendre des photos en tout cas. Fait que là, je suis comme au milieu dans le groupe, juste pour pas qu'on se perde de vue. Et ben c'est ça, j'enjoy la vue. C'est tellement beau, pour vrai, je capote. En plus, je suis jamais venue en France dans un coin comme ça, fait que je suis vraiment contente. C'est un beau voyage. En plus, c'est la dernière vraie journée aujourd'hui. Genre, il va nous rester un souper d'équipe, mais c'est la dernière journée, je peux pas croire, demain on repart. J'ai le nez rouge, hein? C'est le nez du plein air, ça. Oh, mais sérieux, c'est tellement fun, ça fait tellement du bien. Puis à chaque fois que je fais du vélo, j'en fais pas souvent, mais je suis comme, oh, mes jambes. Mes jambes se sentent tellement mieux après, là, vu que ça améliore clairement la circulation. Je me sens juste comme bien. C'est trop cool parce que quand on est revenu sur nos pas, on pouvait juste se laisser descendre. Comme on n'avait pas réalisé, je pense qu'on, tu sais, qu'on, je sais pas comment dire, là, qu'on montait pendant tout ce temps quand on allait là-bas, au spot où il y avait les fleurs, le thym et tout ça. Puis quand on est descendu, on pouvait juste se laisser aller genre tout le long jusqu'en bas, jusqu'au village d'Avienne. Puis c'était genre le best feeling, là, sérieux, j'aime tellement ça. On allait genre à 35 km/h, fait que là, je pouvais plus trop observer le paysage, mais genre on en a eu pour notre argent, là, sérieux, c'était vraiment très beau. Il reste une heure avant le souper, on va souper à 8h, on a décalé ça pour avoir plus de vélo. Fait que ouais, je pense que j'allais lire un petit peu dehors. En plus, j'ai juste à me changer en robe, là, j'ai rien... Je vais remettre ma robe de tantôt, j'ai rien d'autre à faire, voyons. La bizarre avec les portes. Ouais, pas un jeu fraîche. Bon, en fait, je vous emmène pour le dernier souper à l'hôtel. J'ai juste changé mes accessoires, c'est la même robe que ce matin. J'ai fait matcher mes petits souliers beige avec mon petit sac beige. Je sais pas trop si ça fait genre cute ou madame, mais ça va être ça. Sois gentille pour que papa soit pas trop tannante là.
Je sais que t'es tendante quand je suis pas là. Il est genre 2h du matin, mais je me sens pas fatiguée. C'est tellement étrange. Je viens de finir ma valise, puis je me suis dit, ben, je vais dormir plus demain, c'est tout. Puis on part à 9h30. Puis pourquoi il est tard aussi? C'est parce que je voulais FaceTime mes pattes, avoir des nouvelles. T'sais, il y avait un rendez-vous, fait que bref, quand il a pu me parler, moi aussi, il était comme minuit quelque. Fait qu'il y a ça aussi. Oh, ok, ouais. Ma chambre, je suis au deuxième étage. Très hâte de voir. L'hôtel est comme plus beau que je pensais, genre. Mais c'était un 3 étoiles. Mais il est vraiment cute, à date. J'avais bien dit à date. C'est pas vrai, mais comme ça, là, ces 3 étoiles-là, ça coûte genre 200 quelques la nuit. Pouvez-vous croire? Je pense que c'est parce que je suis quand même bien située, là, je suis au centre, mais j'ai dû prendre un taxi pour m'en venir, parce que sinon c'était comme 35 minutes de marche, puis là, ça fait beaucoup de voyagement, là, avec la valise et tout. Fait que non, c'est ça. Ça va être ma chambre pour 2 nuits. Si au moins ça a l'air propre, ça a l'air bien, là, j'avais tellement checké différentes places, différents reviews sur Booking que c'est ça, au moins je serai bien. Mais voici donc ma mini chambre. Je me suis rafraîchie, maintenant je vais à la recherche d'un resto. J'ai checké sur Google, puis il y en a un au coin de la rue, asiatique, pas trop cher, qui avait l'air bon, puis qui aurait surtout des options végé aussi, c'est sûr. Fait que j'allais voir ça, mais il fait tellement beau, là, genre le soleil se couche lentement, sérieux, je capote où je suis, là, je pensais même pas que ça allait être beau. Je viens de checker la carte, puis il y a aussi bien des choses qui sont plus proches que je pensais, fait que c'est la bonne nouvelle. Je vais peut-être explorer aussi un petit peu le proche de l'hôtel après souper, là, avant qu'il fasse noir idéalement, mais sinon, quand je reviens tantôt, je prépare ma journée de demain, parce que non, j'ai rien prévu. J'ai juste vu que mon hôtel était proche de plein de trucs à voir, fait que tu sais, je veux juste aller me promener pis tout. Et voilà! Bon, finalement, j'ai décidé de venir voir la petite statue qui est ici. En fait, c'est pas une statue, c'est genre une colonne. Puis il y a des trop belles fleurs ici. C'est quoi donc? C'est-tu des azalées? Je sais pas quoi. Il y a pas ça chez nous, là, je sais pas. Là. Oh, c'est magnifique! Allez voir qu'est-ce qu'il y a là-bas au bord de l'eau. Pourquoi je dis bord de l'eau? Je sais pas si c'est de l'eau, mais au bord là-bas. C'est rien de très excitant, mais on peut voir quelques bâtiments au loin. Bon, j'ai bien mangé, là, je vais aller digérer un peu, fait qu'on va aller par là parce que je pense qu'il y a un truc de jardin. Yes! Oh my god! No way! Je capote! C'est tellement beau! En plus, avec le coucher du soleil, je suis tellement contente! En plus, le soleil il va se coucher tard là, parce qu'il est encore haut dans le ciel, puis il est genre 8h. Fait que j'en profite là, je vais rentrer à l'hôtel après. C'est trop beau! C'est drôle d'avoir genre le centre-ville derrière, puis ici le jardin genre victorien, ça n'a pas de sens. Fait que ça, c'est une ancienne serre qui a été convertie, je pense, en lieu de spectacle. Ah, oh, il y a une fontaine là! Pourquoi j'ai décidé l'autre parc? On aurait dû faire mon meet-up ici? Ça aurait été full thématique! Pourquoi j'ai pas pensé? Oh my god! Genre, où suis-je là? C'est sérieux, ce jardin est immense. Il finit jamais. Je trouve toujours des nouvelles pièces. J'ai vu l'autre bord de la rue, il y en a une autre section, je suis comme overwhelmed. My god, ça sent bon partout. C'est quoi ça, c'est donc bien beau. Oh, c'est la même plante que tantôt. Oh my god. Malaise. Le parc est fermé, on vient de m'avertir. Je suis comme ok. Je savais pas qu'il y avait une heure de fin. Mais je m'en vais. Je vais être escortée à la sortie. Ok, fait que j'ai failli passer la nuit au parc. Ils s'en allaient le barrer. J'ai été avertie un petit gars en vélo qui est comme « Hey, vous étiez bien caché, on vous a pas trouvé. » J'étais comme « Quoi? »
J'ai dit, oh, désolée, je savais pas que le parc fermait. Genre, il part, là. J'aurais été enfermée derrière la clôture. Mais quel fail. Ça ferme à 8h30 puis ça ouvre à 8h. J'ai même pas le temps de tout visiter, mais c'est pas grave. J'en ai vu gros parler. Ça m'étonne qu'il y ait genre des vélos puis des trottinettes partout dans la ville. Genre, nulle part, là. Pas attaché. Ça va-tu dire qu'il y a peu de vols? Ah, il y a d'autres choses à aller voir là-bas aussi, mais je vais rentrer, je vais être sage. Et là, je me suis replacée, même si je peux sortir à la même place, parce qu'on voit le truc de tantôt, là, la grosse statue. J'avais fait ma petite marche de santé, en tout cas. C'est juste que ça m'a fait vraiment prendre un détour, cette aventure, cette mésaventure. Genre, what the fuck? Pourquoi le monde les laisse n'importe où? Ok, fait que je suis de retour à l'hôtel et je suis casually en train de vous demander, chers abonnés bruxelloises, où on peut trouver les meilleurs gaufres. Je me disais, pourquoi pas déjeuner avec ça demain matin? Ça serait parfait. Il y a plein de restos autour de l'hôtel. Sérieux, il manque pas de choix. Là. Puis c'était vraiment bon. Qu'est-ce que j'ai mangé tantôt? Mon drink, mon mocktail. Oh, je veux essayer de refaire ça à la maison. C'était tellement taste, mais tellement taste. Il y a quand même beaucoup de bruit, par contre, j'avoue. Là, comme police, ambulance, tout ça, j'en ai croisé gros quand même pour le peu de temps que j'ai été ici. Je pense que vous les entendez bien. Mais j'avoue qu'on est vendredi soir, il y a l'air d'avoir quand même un peu de fêtard sur la rue. Même tantôt, j'ai vu que j'avais un voisin de chambre, là, puis littéralement, je pense que les murs sont faits en carton, fait que j'espère que ça va pas être quelqu'un qui rentre trop tard puis qui fait du bruit, mais j'ai comme l'impression que oui. Bon, fait que j'ai hâte de voir vos réponses. Je pose ça à l'instant. Puis by the way, tantôt, j'étais tellement nerveuse pour le train parce que je disais bye à l'équipe du voyage, puis je savais comme pas où aller, on dirait. C'était vraiment pas clair, je trouve, parce qu'il y a des trains vers Paris, puis d'autres. C'est des grandes lignes qui appellent, c'est loin dans ma tête là, la dernière fois que j'ai fait ça tout seul, c'était genre 2016. Bref, j'étais allée finalement au kiosque Air France, parce que j'avais pas genre mon boarding pass de train là. Puis il y avait plein de gens qui étaient dans la même situation que moi, dont un monsieur que j'ai continué de recroiser par après. Puis là comme, je savais pas c'était où, la gare c'était pas clair, ben pas la gare, le quai ou je sais pas trop. Puis en tout cas je suis retombée dessus, fait que là il m'a aidée, puis là finalement en bas on se rendait compte qu'on était genre côte à côte dans le train. Puis, quand il a checké mon billet, ben, il dit « Ah, ben, vous êtes en classe affaires. » J'ai dit « Ah, je sais pas. » Moi, c'était écrit « Économie » sur le billet. Ben, il dit « Ben non, t'es comme dans le wagon numéro 1. » Je fais « Oh, nice! » J'aime ça, là, dans la vie, des affaires, là, même des voyages, que tu te fais des amis d'une heure, que j'appelle, ou des amis d'une journée, là, tu sais. Des gens que tu vas plus jamais revoir, mais que t'étais contente d'avoir sur le coup, parce que ça t'a rassuré ou ça a répondu à tes questions. Fait que, ouais, c'est ça, on a jasé un petit peu, pis tout, pis... C'est bien drôle, fait que voilà. Sur ce, je vous laisse, je vais planifier un petit peu mes affaires, me démaquiller, faire mes posts, mes médias sociaux, tout ça, puis on se revoit demain. À la meilleure gaufre de Bruxelles! Hello, bon matin! Je vais pas parler trop fort au cas où, parce que, ouais, on entend quand même beaucoup de bruit ici, mais j'ai bien dormi, ça c'est la bonne nouvelle. Puis là, il est rendu genre 8h10, je voulais partir à 8h. Donc là, je quitte, j'emmène mes choses, je vais essayer de trouver peut-être une petite collation parce que je suis tout le temps affamée le matin. Puis la place de gaufre que j'ai spotée hier, elle ouvre juste à 10h, tu sais, fait qu'en tout cas, on verra sinon si c'est trop achalandé ou si comme place, je vais aller à un autre endroit de gaufre, là, genre des camionnettes, des affaires même. Fait que je pense que je vais commencer par la place des arts le matin. Après ça, proche, il y a la grande place. Il y a comme vraiment une couple d'affaires qui ont l'air par là-bas. By the way, je sais pas si je vous avais dit, mais c'est la Pride aujourd'hui. Ça commence à midi, je sais pas trop où, là, je risque de pogner la parade. Puis Hugo, mon coiffeur, me dit que Simon était là. Je suis comme, quoi? C'est quoi les chances qu'on soit ici en même temps? Je vais essayer de le trouver. Y'a rien d'ouvert, y'a rien d'ouvert. Je sais pas si je suis à bonne place. C'est bien cute, ça. On va essayer de voir de face, là. Je m'égare un peu dans mon chemin. Ok, je viens de trouver sur map, ça serait la cathédrale de Saint-Michel et Gudule. Je vous dis, il y en a partout. C'est vraiment beau. Je pense que c'est d'ici mon désordre, mais je vois rien. Maintenant, comment on y accède, ça c'est la question. Ah ah, j'ai trouvé. Ils vont bientôt nous enfermer comme dans le jardin d'hier, mais j'ai trouvé. Là, c'est vraiment mission de trouver quelque chose à manger. Tout est fermé et ça fait plus qu'une heure que je suis levée et mon ventre veut me tuer. Ok, j'ai trouvé la grande place. Là, je suis dans le bon spot. Là. Je pense que j'ai tout... On a fini par y arriver. Oh, oh wow! Avec le drapeau Pride! Oh. C'est bien beau!
c'est magnifique. Oh my god. C'est cool parce qu'à cette heure-là, vous voyez, il n'y a pas trop de monde. C'est un peu plus petit que j'imaginais, même s'il y avait ça à grand place, mais dans les vidéos que j'ai vues, ça a l'air d'un espace encore plus large. Oh shit, il y a un méga groupe de touristes qui arrivent. Full beau par contre. Ça me fait vraiment penser à Lille. Should make sense parce que Lille, c'était dans le nord de la France, mais l'architecture, ça me rappelle vraiment ça de mon souvenir. Ben ça me rappelle Milan. Il y avait une place comme ça de magasinage intérieur. Cute. C'est le monsieur qui m'avait dit ça. Oh, lui, il s'appelle Mannequin Piss. Il est connu en Belgique. J'étais genre, oh, oh, je l'ai juste acheté parce que je trouvais ça drôle. Puis j'ai juste acheté des trucs avant du temps. Mais j'en ai voyé un vrai. Oh, j'ai trouvé le spot. Il y a tellement de monde. Il est là. Il est là. Il est habillé en soccer. Oh my god. Son petit pain. Oh, j'ai trouvé une grande roue et là c'est direction Palais de Justice. Il fait tellement beau là. Non, il est en train de rouvrir. My god, c'est huge. Là, je vois que je peux monter en haut, mais je suis un peu soufflée parce que je viens de monter déjà bien des côtes là. Fait que je vais voir si j'ai assez de jus. Ouais, ça disait temporairement fermé sur Google Maps, mais je me disais c'est pas grave, je veux juste voir l'extérieur qui est magnifique, mais je pense qu'il est vraiment abandonné là. Pour un petit shortcut. Je vais retourner à l'hôtel dans le fond parce que je veux vider mon sac, faire pipi, me poser, charger mon téléphone avant de repartir, trouver un dîner. Il est déjà passé midi mais j'ai pas faim. Fait que voilà le plan de match. En même temps, ça me donne un petit preview pour le meet-up de tantôt. Oh, j'ai chaud et j'ai tellement mal aux jambes. Je vais vous dire combien de pas j'ai fait. 12 379 pas. Oh my god. Dans une journée, ça me dit que normalement j'en marche 3000. Parce que je travaille de la maison. Aïe aïe aïe. J'ai l'impression d'avoir vu tout le centre-ville de Bruxelles. Là. No joke. Genre, je regarde mon Google Maps, je suis comme, ben, tous les spots que j'avais mis sont faits là. Je m'étais dit à l'après-midi que je ferais peut-être les trucs là, hop on, hop off. C'est l'autobus là, que tu peux regarder en haut, mais je sais pas. Il y a un trajet que c'est pas dans le coin que j'ai fait. Fait que peut-être, mais je sais pas si genre pour 39 ou 29 euros, je me rappelle plus trop. Je sais pas si ça vaut la peine. Puis est-ce que j'ai le temps parce que là il est 1h. Il reste 3h30 puis je veux me préparer avant le meet-up. Genre prendre une douche parce que j'ai eu chaud, refaire un peu mon maquillage, tout ça. Faut que, puis là il faut que j'aille dîner, mais c'est ça. Je faisais juste une petite pause. Là, j'envoie des photos à Pat, je donne des nouvelles puis. Checker qu'est-ce qu'il vient de m'envoyer parce que là il était confus avec ma première photo de la petite fille qui pisse. Mais là, j'ai dit non, ça c'est Mannequin Piss, là, lui, là, avec son petit gilet de foot. Trop drôle. Puis là, il m'envoie notre débouche bouteille qui est, c'est ça, Mannequin Piss, mais qui vient du Québec et que j'ai acheté dans un antiquaire. Oh, je me tirais un peu, je suis tellement raquée avec ce que je transportais. Puis comme quand je marche longtemps, j'ai tout le temps mal, genre, ici. Comme les os des hanches, là. Je sais pas trop si c'est articulaire ou whatever, mais c'est quand je marche comme très longtemps, là, juste comme quand je voyage, mettons, ou que je magasine toute une journée, mettons. Ici, ça me tire tellement, là. Ça me fait ça depuis longtemps, là. C'est pas la trentaine, là, ok? Il faut que je me réhydrate parce que j'ai tellement pisse minute, c'est ça le problème quand tu voyages. Des fois, tu sais pas où sont les toilettes, des fois, il y en a juste pas. Fait que pour pas me faire jouer des tours, vu que je suis pas un petit gars qui peut pisser n'importe où, hein? Ben, je bois pas gros à cause de ça. Puis après ça, ça me joue des tours, là. Bon.
Fait que. Ok, c'est l'heure. J'emmène juste ma petite sacoche de nécessité avec moi. C'est mon petit sac de, ben, de voyage, là. Fait que j'emmène ça. Je remets ma robe beige avec mes petits souliers confortables. Et là, il y a eu un gros nuage qui est passé. J'avais peur qu'il pleuve parce que je sais que des fois, pour ça, la météo, c'est vraiment up and down. Mais bon, je me sauve. Je vais aller me chercher un petit matcha latte parce que j'ai vraiment un coup de bord intense, là. Peut-être parce que c'était un voyage un peu intense. Puis on m'a dit qu'il y en avait un genre à 4 minutes de marche de mon hôtel. Fait que je vais faire ça. Puis après ça, me rendre au parc. J'avoue, je suis un peu stressée, là. Je commence à stresser. Je suis comme, d'après moi, on est deux. Mais en même temps, c'est chill, là. C'est le fun. Tant que les gens sont de qualité, tu sais. C'est ça que je me dis. C'est ça qui est important. Fait que on va aller voir. J'ai pas trouvé de matcha finalement. Mais il y en avait plus en fait à l'endroit où je suis allée. Fait que j'ai une limonade trop triste. On va faire un coucou? C'est un coucou timide! Oh, il se promène! Ah, ils ont pas peur! Non, c'est parce que je disais qu'ils sont très dociles, c'est les pigeons, ils ont pas peur! Shit, ma joue est rouge parce que j'arrête pas de jouer avec un genre de grain de millium que j'essaie de faire partir. Bref, là, ça fait un petit moment que je suis rentrée, mais je voulais parler à Pat, essayer de pogner un bon moment. Et on a encore FaceTimé pendant une heure. Je pense que j'ai hâte de le retrouver demain. Et Lily, et mes soumis. Oh, puis là, je suis full fatiguée, honnêtement, puis j'ai mal. Ou ce que je vous ai dit que j'ai mal tantôt, là, comme par rapport à mes hanches. À chaque fois que je me lève, c'est épouvantable. Pas cool, mais bon, qu'est-ce qui était cool, c'était le meet-up. Puis j'ai pas filmé, finalement, j'avais pas quelqu'un vraiment qui pouvait filmer pour moi pendant ce temps-là. Mais j'ai pensé faire une petite photo, vidéo, souvenir au tout début. On s'est quand même retrouvé vite dans le parc, là. Suffit qu'il y ait comme une personne ou deux, t'sais, parce que moi je peux pas vous reconnaître, là. Fait que après ça, vite, les autres gens qui étaient présents autour de la fontaine sont venus. Puis éventuellement, il y a eu une autre comme batch de gens qui se sont ajoutés, là. T'sais, notre cercle s'est un peu plus agrandi. On a parlé, hein, des différences de pays, tout ça, échangé. C'était drôle. J'étais comme en mode animation un peu parce que tout le monde s'est mis comme ça autour de moi. Mais après ça, on a fait du one-on-one. Fait que photo, parler un peu. Honnêtement, c'était toutes des duldettes qui me disaient qu'ils étaient là, ben, qui me suivaient depuis genre 8, 10, 12 ans. Genre, fait que vraiment des filles très fidèles. Et donc, ça faisait des beaux échanges et j'étais très contente de rencontrer tout le monde, même si on était quand même limité dans le temps. Vraiment, on a busté d'une demi-heure. Puis, comme on aurait pu continuer, parce qu'à la fin, il fallait comme que je respecte quand même un peu mon horaire, là, vu que, ben, comme là, il est tard, faut que je fasse ma valise. Puis aussi, parce que c'est ça, je rentrais pas direct après le meet-up. Dans le fond, j'allais souper avec une youtubeuse beauté belge qui était pas de Bruxelles, donc elle a fait bien de la route pour me voir. Je suis super, comment dire, touchée de ça. Mais elle s'appelle Manon, je vais vous donner ses handles si vous voulez aller la suivre, parce qu'on en jasait avec elle comme avec d'autres gens. Il y a pas beaucoup de gens en Belgique dans la création de contenu beauté, donc. À ce sens-là, son Instagram et son YouTube. Et sur Instagram, c'est by Manolita, son username. Voilà, comme ça ici, si vous voulez aller la suivre, c'était vraiment le fun d'échanger avec elle. Puis honnêtement, on savait pas trop où aller, on voulait juste se poser rapidement. J'avais pas faim pour souper, j'ai toujours pas soupé, mais on voulait se prendre juste comme une petite frite, un petit breuvage. Puis je voulais surtout se goûter des frites avant d'être partie, mais elle m'a dit que c'était pas les meilleures. T'sais, on a pris une place, c'est ça, pas réputé pour ça, disons. Fait que c'était des belles grosses portions, puis oui, ils étaient bonnes, c'est juste que c'était pas des vrais vrais qu'elle me dit, fait que quel dommage, va falloir que je revienne, juste pour les frites. Puis là, j'arrête pas de parler, mais je voulais vous dire merci, merci pour vos cadeaux, Seigneur, ça a pas de sens. Déjà, tout ça, en fait, c'est de Manon et donc ben fine. Elle a même pensé à Pat, genre, des bières belges, à quel point c'est adorable, j'ai même pas tout checké encore. Le chocolat, je suis sûre que ça va être délicieux. Les petits spéculoos ici, des petits cadeaux personnalisés aussi. Ça, c'était une spécialité de la région de cet abonné en question, que le nom m'échappe malheureusement, mais c'est une tarte au riz, je pense, quelque chose comme ça. C'est comme un peu du, ce qu'on appelle au Québec, du pudding au riz, genre du riz au lait, je pense, puis dans une espèce de tarte qui me fait penser un peu à un flan, fait que je vais pouvoir déguster ça. Et j'ai eu donc d'autres spécialités comme ça de différents coins, différentes régions, fait qu'un gros merci à tout le monde qui m'a donné des petits cadeaux comme ça. Demain, je vais me lever genre 6h30, quelque chose comme ça, partir à 7h pour aller prendre mon vol à 10h. Après ça, je m'en vais à Newark, là, j'ai une escale de genre 1h, 2h, puis là, c'est 1h30, puis j'arrive à la maison. Fait que, ouais, 9h30 de route demain. Voilà. Et peut-être je me répète, je sais plus qu'est-ce que j'ai dit tantôt, je suis fatiguée. Hola, everybody.
everybody, ça se peut que j'ai un petit peu de terre sur moi. J'ai jardiné tantôt, j'étais pas censée faire ça dehors, mais évidemment que ça serait dans mes premières tâches dès que je reviens à la maison. Je suis contente parce que j'ai pas trop manqué de choses, by the way. On vient de souper, la lumière est super belle à cette heure-là, fait que je vous montre rapidement, mais regardez, mes gigas spirés commencent à faire des fleurs. Mes phlox sont en fleurs, les lilas en fait sont tout juste en fleurs, donc j'ai pas manqué trop de choses. Puis hier, ben c'était long, 9h30 de voyagement, mais ça a bien été, ils ont pas perdu ma valise, quoi que ce soit, fait que ça c'est mieux que fini que Tofino l'autre fois, mettons. Et pour finir le vlog, je m'étais dit pourquoi pas faire un petit taste test. Je vais le faire un peu en accéléré, mais je vais essayer de genre pinpoint mes affaires préférées avec lui. Fait que je vous emmène en bas avec nous dans le salon et on va goûter à tout ça. Je suis prête. Attends, montre la main. Ben ça change rien, j'avoue que tu l'ouvres ou pas, mais regardez. Ben je pense que je l'avais montré à l'autre. Là, tu me diras pour de vrai là, si t'aimes ça ou pas, là, de toute façon c'est pas grave, hein. S'il y a des choses qu'on aime moins, on va juste les donner à des gens. Je vais être honnête avec vous, hier j'ai goûté à ça, j'avais besoin de petites collations dans l'avion. J'ai goûté à ça puis j'ai adoré. Toi t'aimes ça aussi, hein? C'est vraiment des petites gaufres, juste sucrées, ça goûte la vanille. On en a des fois des affaires similaires ici dans certaines épiceries, mais je trouvais pas qu'ils étaient aussi bonnes que celle-là. Fait que ça j'ai aimé. Et une autre affaire j'ai goûté déjà. Je suis désolée. Mais je suis pas sûre, j'avais déjà mangé ça là. La marque Lotus c'est connu. Ça veut pas faire le focus, mais c'est des biscuits au spéculoos. Et j'adore le goût des spéculoos. Ça sent bon. Ça sent-tu la gaufre? Oui. Non, ben la gaufre peut-être pas. Ah, c'est des gaufres à cannelle comme dedans. Oh! Ils ont mis des gaufres pour vite, là. Mais c'est ça, ça me fait... de pâte cuite, épices. Les Canadiens, apparemment, on est des fans de cannelle. Ça a l'air que dans d'autres pays, les affaires un peu, genre de bouffe, là, pas le thé, mais genre les affaires un peu de chai, cannelle, les épices d'automne, ça a l'air que c'est très canadien. Ça goûte ça? Mm-hmm. Moi, je trouve que ça sent bon. Ah oh, oui, là, je le sens full. Ouais. Même la pomme, on dirait pomme cannelle. Ouais. Hein? C'est vraiment différent. J'ai jamais eu de bière qui goûte ça pour vrai. Ouais, la cannelle ressort, fait que pas tant la gaufre comme telle, je dirais. C'est plus une bière dessert, mais... Ouais, ça oui. Quand je le sens puis je le bois, je trouve que ça goûte pomme cannelle. Puis l'autre, ben on le savait un autre jour. Ici, nous avons des petites fleurs, là, ça dit la vraie violette de Liège. Mais ça sent la violette, on fait pas ça à Kerlin. Guy Coppa. Vous savez comment j'ai trippé là-dessus? Je me suis forcée de pas manger toute la boîte comme on avait tout fait là-bas. Parce que je voulais que Pat goûte. J'ai fait me goûter hier quand je suis revenue. Il a dit que c'était dégueulasse. Je suis comme quoi? Ok, tant pis. Je vais les manger. Tu veux retenir une deuxième chance? Non. Ça, je veux goûter, sauf que vous savez, il y a des trucs que vous m'avez donné qui sont plus fragiles que d'autres. Fait que, vu que mon bagage, honnêtement, ça a fermé, mais c'était tight, là. Vous m'avez vraiment trop gâté. Fait qu'il y a ça qui a comme collapse ensemble, vu que c'est comme semi-ferme. Je veux quand même goûter, ça a l'air bon. C'est moi, là. Vraiment croquant, en dedans et à l'extérieur. Pas qu'il y a de même. Tu sais, je suis vraiment curieuse qu'on goûte parce que non, j'ai jamais vu ça ailleurs qu'en Belgique. Qui est comme, hell non. Cuberdon. C'est vraiment un drôle de nom. Tu sais, c'est un peu transparent. On dirait que c'est comme du plastique, c'est dur. Oh, c'est sticky. Cuberdon, c'est quoi, sérieux? Quand il goûte pas, puis il est sûr que c'est pas bon, fait qu'il est comme, ah, goûte pas vraiment les gelées, là. D'accord. Contente d'y avoir goûté, parce que ça va l'air d'une spécialité belge, mais... La bouffe sont toutes décrissées. Puis je connaissais pas ça, ouais, j'ai éclaté là-bas, tu sais. Comme dedans, c'est une petite gelée de fruits, fait que j'aime ça. Je finirai peut-être avec ça. Oups! Donc nous allons finir avec du vrai sirop de Liège. Je sais pas qu'est-ce que le sirop de Liège a de si particulier. Ça dit préparer avec 400 grammes de fruits, mais il y a des petits arbres ici, des amélanchiers, genre. C'est un sirop de teck. On dirait dans un petit pot de yaourt, ça coule-tu? Ça a l'air comme de la mélasse un peu. Je sais pas sur quoi vous. Tu sais, genre, si vous mettez ça sur vos gaufres, comme nous, notre tire-drame ou. Du Marmite là ou du. J'espère pas. Tu sens que c'est acide, mais. C'est, ça, ouais, c'est ça, des ça fruits. Goûte rien. Ça goûte comme un sirop de fruits. Mais oui, ça goûte quelque chose. Ça goûte avec rien. Je sais pas si on peut vraiment appeler ça un sirop, là, vu que c'est épais et qu'on le mange à cuillère. Sirop pour la toux, sirop d'érable, il me semble que c'est plus limpide que ça d'habitude. Moi, je trouve ça goûte de la confiture, je mettrais ça sous mes toasts. Je vais finir délicher ma cuillère. C'était assez bon, ce petit sirop. Bon, fait que je vais vous laisser là-dessus, tout le monde. J'espère que vous avez apprécié. Je sais que les vlogs voyages, en général, pour les youtubeurs, c'est jamais nos vlogs les plus regardés. Mais franchement, j'ai eu un super beau voyage. J'ai l'impression d'être partie plus que cette semaine. La bière me fait de parler. Ouais, j'ai l'impression d'être partie plus que 7 jours. Au sens où c'était tellement dense comme voyage. Puis je dis ça comme in a good way, parce que c'est ça que je voulais, là, vraiment 7 jours. Puis, hey, mon chandail de jardin, j'ai des grâces. Le genre de 4 jours en France à peu près que j'ai passé,
c'est ça, c'était un voyage de presse quand même assez dense, mettons, que je compare avec mon dernier, qui était celui avec Birds Bees à Tofino, qu'on avait plus comme de temps libre, mettons. Là, on n'en a pas eu, mais, tu sais, genre, we all had a blast, on a tous eu un good time, puis je parle dans ma façon. Tu sais, des fois, c'est tough avec un groupe, un, que tout le monde, tu sais, qu'on respecte les timings, genre, ça devait être énormément d'organisation pour l'équipe Pierre Forbes au Canada, dans le fond. Mais je pense qu'on a réussi, somme toute. On a tout eu l'impression, tu sais, j'en parlais avec Théo un peu après, puis tout ça, puis on a eu vraiment l'impression de vivre bien des affaires, de voir bien des trucs, puis surtout, ça a été enrichissant, comme en contenu, en apprentissage. Moi, je partais de loin, là, je la connaissais pas si bien que ça, l'histoire du groupe Pierre Forbes, tu sais, de Monsieur Pierre Forbes et tout. Même par rapport à l'eau thermale, j'avais déjà entendu des trucs en étant cosméticienne back in the days, mais là, de vraiment voir des exemples, tu sais, de patients qui y vont, tout le côté esthétique, mais aussi surtout dermatologique, les bienfaits en fait de cette eau-là, puis pourquoi, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Fait que c'est sûr que vous pourrez pas le vivre à 100% comme moi je l'ai vécu, mais j'espère qu'avec les petits bouts du vlog, ça vous aura rendu peut-être curieuse ou vous en saurez plus maintenant vous aussi sur la marque. En tout cas, j'ai vraiment aimé tout le monde, tu sais, qu'on a rencontré là-bas, tout le monde qui travaillait pour le groupe, c'était des gens super loyal, en tout cas des gens qui travaillent là depuis des années, puis on a tous senti vraiment une très bonne vibe là, par rapport à cette entreprise-là, fait que c'était encourageant, c'était inspirant. Puis la Belgique, rapidement, trois mots, je vais dire, bâtiment époustouflant, genre c'est des beaux gros monuments qu'il y a à visiter. Ce qui est le fun aussi, c'est que le centre-ville est relativement petit, j'ai l'impression, parce que en quoi, 4 heures, samedi matin, j'ai eu le temps de faire pas mal tout. Il y a genre le parc du centenaire que j'ai pas eu le temps parce qu'il était pas dans la même direction. Mais le reste, à chaque fois que je checkais quelque chose, pour vrai, c'était à 13 minutes, fait que ça se faisait super bien à pied. Il y avait aussi des beaux îlots de verdure. On m'a dit que c'est la capitale la plus verte d'Europe, donc c'est intéressant si vous aimez ça, c'est ça l'architecture d'une certaine époque, mixée avec un petit peu quand même de vert, là, comme le petit jardin botanique que j'ai vu, c'était super cute. Fait que c'est pas mal ça que je retiens, la bouffe aussi qui était bonne, généreuse et pas accessible. Fait que voilà. Fait que merci à vous d'avoir écouté, merci à tout le monde qui sont venus au meet-up, et merci aux organisateurs du voyage, donc les gens de relations publiques que j'ai eu la chance de connaître un peu plus. Donc voilà tout le monde, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pourquoi tu rires? J'ai-tu dit quelque chose, ferais pas? Il a sorti un serpent de sa toilette. Quoi? Lui, il a sorti un serpent de sa toilette. Il y a un gars qui a sorti un serpent de sa toilette, ok! Je sais pas ce que j'ai dit, bye, pis t'es parti à rire, j'étais comme, j'ai encore dit quelque chose qu'il fallait pas. Ah, je ris fatiguée, ok, bye!